Alors, on ressort de la séance de Solo avec mon petit Maul. Alors, Maul. Voilà. Ouais. J'avoue, je suis un peu sans voix. J'ai l'idée de le dire en premier, ce que j'en ai pensé. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, mais je pense quand même qu'au final, je suis plus sur une note négative que positive. Voilà. Surtout par la fin, mais après, je pense qu'on en reparlera ensemble. Ouais. Ouais. Mais ouais, il y a beaucoup de choses à retirer, mais... À savoir qu'on n'en a pas parlé avant de lancer la vidéo. Non, en fait, je sais pas ce qu'il en pense. Donc voilà, déjà, globalement, je dirais ça. Après, voilà, vas-y, Kichnifou, je t'en prie. Bah, tu vois, c'est comme on a insinué, c'est-à-dire qu'on pense qu'on se rejoint plus tôt, tu vois. Ouais, bah oui. Après, je vais te dire de manière globale, tu vois, je pense un peu comme toi, mais à l'inverse. C'est-à-dire que j'ai de la réserve, mais je suis plus positif que négatif. Ouais. Pourtant, je pense qu'en fait, c'est sur les mêmes points qu'on a tiqué. Mais ouais. On n'a peut-être pas accordé la même importance. On va dire que pourquoi je suis positif ? Je suis positif parce que pour moi, je vois mal ce qu'ils auraient pu faire d'autre. Et je trouve qu'ils ont fait le taf malgré tout. Ils ont parlé du passé de Solo. Ils l'ont mis en place pour moi comme il le fallait. Après, là où je suis peut-être plus sur la réserve, ça va être plutôt sur, on va dire, le film en lui-même. C'est-à-dire ? Eh ben, ma première réserve, c'est que c'est un film très sombre. Ah oui, mais qu'est-ce que l'image est terne ? L'image est hyper terne. Et deuxième chose qui va un peu de pair, c'est qu'on a du mal à savoir ce qui se passe. Ouais. Parfois. Bah, je trouve que la réalisation est un peu épileptique des fois. Tu sais, le moment où ils font le faucon là, et qu'ils font le raid de Kessel. Ouais. Des fois, j'étais perdu. Je comprenais pas ce qui se passait. Ouais. Après, mais même à plein d'autres moments, en fait, on est plutôt perdu. Ouais. Ouais, puis c'est surtout l'image est très terne, mais c'est incroyable. Au début, quand Solo s'engage, on peut spoiler, hein. Ah oui, on spoil. Oui, donc, quand Solo s'engage dans l'Empire et qu'il y a une mini-bataille, entre guillemets, bah, j'ai l'impression qu'il combat des fantômes. C'est-à-dire qu'on voit pas ce sur quoi il tire, tellement c'est sombre, il y a de la fumée partout. On a l'impression qu'il tire sur des ennemis imaginaires. Mais ça m'a dérangé un peu, ce genre de choses. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il y avait une sorte de filtre, une brume, tu vois, un truc un peu comme ça. Bah après, ça, c'est la réalisation en elle-même. Après, c'est un effet crasseux, voilà, qui colle bien aussi avec l'aspect un petit peu brigand du film, quoi. Je te rejoins complètement là-dessus, sur le fait que oui, de toute façon, c'est l'ambiance du film qui veut ça. Ouais, c'est ça. Bon, après, les autres points noirs... Enfin, d'abord, moi, je parlais des points noirs parce que... Bah, c'est ce que je retire en premier, en fait. C'est vrai que j'ai pas trop réussi à voir Han Solo en l'acteur, malheureusement. Aucun moment. Ah ouais, j'ai pas réussi à passer le pas, en fait. D'accord. À chaque fois, j'ai chose que Solo, moi, mais... ça m'a pas dérangé, ça. Ouais. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose. Bon, ça m'a dérangé un petit peu, mais on s'y fait au bout d'un moment. Par contre, un truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que, bah, comment dire, ça entrave un petit peu l'image qui est donnée d'Han Solo dans la trilogie originale. Quand tu le vois à la fin, tu sais, il fait le bon geste, il aide les Enfys Nest là, pour leur cause, machin, chouette, tu sais, il fait une bonne action en gros. Ah oui, tu veux dire qu'on le retrouve en tant que brigand et donc ça colle pas. Bah ouais, dans l'épisode 4, au début, il est présenté comme un gars sans cœur, machin, alors que, et justement, à la fin du 4, il prend une grosse décision, il rejoint la rébellion. Et là, tu sais, ça faisait le gars qui finalement a un cœur, tu vois, il le trouve, alors que... Bah, du coup, cette progression là elle est entravée par... Alors moi j'ai plutôt une explication par rapport à ça. Ouais. En fait, enfin c'est pas une explication, c'est plutôt une interprétation. Je me dis que à ce moment là dans le film, ils veulent montrer qu'il a un côté bon. Mais le film finit quand même en disant qu'avec Chewie, ils vont aller faire des casses, quoi, ouais, en quelque sorte. Donc ils restent brigands, tu vois. Mais en gros le film commence à montrer qu'il a un bon fond. Ouais, je trouve que c'est un peu en dissonance par rapport au Han Solo qui nous est présenté dans les films et dans l'épisode 4. D'accord, ouais. Ça, j'ai pas pensé. Ouais, ouais, voilà, ça m'a un peu gêné à la fin. Moi, je m'attendais du coup à avoir un Han Solo sans cœur, vraiment, qui n'a pas d'allégeance, etc. Enfin bref, voilà. Le film a quelques longueurs aussi. Même s'il est plutôt bien rythmé dans l'ensemble, hein, mais je trouve que le passage entre... ils viennent de décoller avec Lando, etc. Et le raid de Kessel, c'est un petit peu long, là, je trouve. Entre le train, l'après à la phase du train dans la neige, là, ouais, jusqu'au raid de Kessel. Je ouais. Que là, ça manquait un peu de rythme. Ouais, ça manquait un peu de rythme. Mais par contre, après, ça revient fort avec le raid de Kessel. Ouais, j'avoue que là, c'est une bonne phase. De... Ouais, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Ah, d'ailleurs, au niveau des personnages, le robot là. Oui, qu'en as-tu pensé? Qu'en as-tu pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ouais. De L3. Bah, on va dire pas grand chose, étant donné qu'on on la voit plutôt. Je pensais qu'on la verrait plus parce que je sais pas, bon, on nous l'avait pas vendu, et encore moi j'ai pas trop regardé les news, donc je m'avance pas trop. Moi j'y suis vraiment allé sans avoir rien vu. Mais en gros, j'ai l'impression qu'au départ, dans les teasers, tout ça, ils nous la vendaient un peu comme le nouveau K-2SO. Voilà, je cherchais son nom. Mais en même temps, c'est pas plus mal que ce soit pas le cas, parce que sinon, bah, ça aurait fait redite. Ouais. Après, moi, j'aime bien son combat. Tu vois, ça fait écho, ouais, ça fait écho au combat humain et de notre époque. Mmh. Tu vois, l'égalité. Et fait par un robot. Je sais pas, non, moi ça me. J'aime bien. Après, c'est sûr que je suis pas fan de son design. Je suis ouais. Pas. Je m'y suis pas attaché, comme j'aurais pu m'attacher à K2SO. Ouais. Oui. Mais. Enfin voilà, pour moi, c'est un personnage plus que secondaire, tu vois. Ouais. C'est pas un personnage à prendre autant au sérieux qu'un K2SO. Donc, limite, il n'y a presque même pas d'avis à avoir dessus, quoi. Ouais. C'est. Non, mais simplement, ce que j'ai trouvé bizarre avec ce personnage, c'est. Personnage marrant. Sa romance. Avec Lando. Ah. Ça te dérange, ça. Ça m'a dérangé. Enfin, c'est. Je sais pas, mais. Ça fait d'accord. Ouais, ça fait bizarre, ouais. Je sais pas, c'est pas le passé que j'imaginais de Lando. Ouais. Mais bon, on a tous un passé un peu obscur, apparemment. Donc, non, mais. Ouais, c'était un peu étrange, ça. Mais après, c'est vrai que ça fait écho au féminisme, mais de façon un peu rigolote et moderne. Et... Ouais, non, c'est vrai oui, que. Oui, déjà, le féminisme et l'égalité. Ouais. Ouais. Lando, bah, Lando fidèle à lui-même finalement, à part un petit peu sa romance avec le roi qui est assez inattendue, mais sinon ouais. C'était ce qu'on attendait de Lando en fait. C'est ça. C'est-à-dire un peu de traîtrise, un peu de... Voilà, mais le bon gars quand même finalement. J'ai bien aimé la référence avec son casque ah quand oui, il s'introduit oui. Chez Jabba. Le casque de Lando dans l'épisode 6. Là. Ouais. Ouais, ça c'était pas mal. Ouais. Il y a des petits fanservices comme ça qui sont... Enfin non, il y en a pas tant que ça, hein. Voilà. Il y en a un énorme. C'est ça, non mais j'aime pas appeler ça fanservice d'ailleurs. J'aime bien ces petits clins d'œil, on va dire. Ouais. Après si on part dans des termes de fanservice... Je sais pas si t'as relevé au Racing, ce genre de choses. C'est des personnages un peu plus... un petit peu plus perdus dans l'univers Star Wars, mais t'as vraiment pas mal de petits clins d'œil, vraiment bien dosés. Il y en a, je t'avoue que par contre, ouais, voilà. Non, j'ai pas assez de culture. D'ailleurs, je crois, je sais pas si tu les as repérés ou si quelqu'un les a repérés, mais c'est la première fois dans Saga qu'on ne voit pas C3PO et R2D2 dans un film. C'est vrai. Il me semble. Ouais, ouais, si, parce qu'ils apparaissaient dans Rogue One. Alors, on a vu des répliques de R2. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est tout. R, je sais pas. Ouais, ouais. Bon, maintenant, je crois qu'il y a un point où on est tous les deux. Ouais. D'accord. Alors attends, avant de parler de ça, je voulais juste dire que, pour moi, le film dans sa globalité, c'est un bon divertissement. Ah oui, oui, j'en prie. Mais tu vois, c'est pas un film où je me dirais tiens, vas-y, je vais aller le revoir ce week-end. Ah non. Bah, moi, tu vois, c'est bien. Ouais. Mais voilà, mais en fait c'est comme je disais au début, pour un peu clore le truc, pour faire le tour et faire le lien avec ce que je disais au début, c'est dans l'ensemble ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais c'est là où est la limite justement, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, c'est-à-dire qu'en fait pour moi ils sont limités par leur ambition. Leur ambition c'était de faire un film sur Han Solo. Et bah pour moi ça les limite quelque part, parce que du coup tu peux pas faire trop de choses et tu peux pas faire autre chose que ce qu'ils nous ont fait en fait. Bah, après, ils auraient pu le faire d'une autre manière. Exactement, mais j'avoue que sur les autres manières, moi, je sais pas, peut-être que j'aurais pris un peu plus mon temps sur certaines scènes qui sont passées un peu trop rapidement. J'ai l'impression qu'on enchaîne parfois un peu trop vite. Le début s'enchaîne très vite. Ouais, et on passe peut-être un peu trop de temps sur d'autres choses qui ne le méritent pas. Ouais. Et le côté un peu trop sombre du film, ouais, qui est épileptique, comme tu disais, les scènes qui... Ah mais t'as raison, des fois je voyais rien. Ouais. C'est-à-dire que... Parce que c'était trop sombre en fait. C'est ça. Et ben, voilà. Enfin, pour moi, ma réserve, elle est là-dessus. Ouais. Mais de manière générale, je me dis qu'ils étaient eux-mêmes limités par ça. Et que ce qu'ils ont réussi à faire avec le pitch qu'ils avaient, bah, pour moi, ils l'ont plutôt bien réussi. C'est pour ça que je suis plus positif, ouais, que négatif. Mais néanmoins, je reste tout de même réservé. Assez réservé. Et, après, ça... Et c'est pas un film où je me dis, allez, vas-y, je vais le revoir. Ouais. C'est un bon Star Wars story. Ouais, ça prouve quand même une chose, c'est que l'idée, voilà, de faire un film sur Han Solo, c'était peut-être pas la meilleure idée en fait. C'est ce que je veux soulever, c'est exactement ce que je veux dire. Bon, voilà, exactement. On a vu les limites du truc. Voilà, et t'as compris où je voulais en venir, c'est-à-dire, ouais, que voilà, c'était pas forcément la meilleure idée, mais que du coup là ils étaient enfermés dans cette idée-là, et que bah, du coup pour s'en sortir, ils étaient obligés de nous pondre un film. Ouais, et c'est celui-là. Voilà. J'ai bien aimé, ceci dit, la rencontre entre Han et Chewbacca. Ah oui. J'avais cru voir par-ci par-là qu'elle était un peu décriée. Moi, franchement, je sais pas, je trouvais ça marrant. Ah, mais qu'on soit d'accord sur une chose, bien fait, tout ce qui relate du passé de Han Solo et qu'on connaît, par exemple le 12 parsec, la rencontre avec Chewie, la rencontre avec Lando, les péripéties, tout ça, tout ce qui concerne son passé et qu'on connaissait plus ou moins, dont on avait déjà entendu parler, voilà, ou qu'on voulait voir, et ben pour moi ça c'est bien traité. Ouais. Alors il y a un truc un peu bullshit que j'ai trouvé marrant, c'est, ouais, l'origine de son nom. Ah oui. Bon bah Solo. Ça, ouais, je me disais que ça allait faire tiquer ça. Bon Solo, d'accord. Ouais. Bon, on peut parler du coup du fameux moment que. Ouais, Dark Maul. Bah, Dark Maul. Ouais, j'ai rien. Enfin, alors, je dis, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Ouais, en vrai, moi aussi, j'ai rien compris. Peut-être parce que j'ai pas fini Clone Wars, mais non, mais c'est sûr, Rebels. Donc en fait, le moment où apparaît Dark Maul, on n'a pas compris. On a vu ni. Enfin, moi j'ai vu Clone Wars il y a longtemps et je suis même pas sûr d'avoir tout vu. Et Rebels, j'ai pas du tout regardé. Du coup, je vois Dark Maul là, je sais qu'il est en vie, mais je sais pas ce qu'il fout là, je sais pas ce qu'il fait avec Kira, enfin avec Kira là. Oui, voilà, et puis même, c'est-à-dire la suite. Oui, tu utilises un truc et non, t'as rien. Voilà, non, mais moi je me mets à la place, parce que nous, on sait, on va regarder Rebelle ou Clone Wars pour avoir des réponses, ouais, mais les gens qui connaissent uniquement les films. Ah bah là, ça va chercher un peu. Eux, ils restent là-dessus. Et d'autant plus que moi, j'ai toujours dit, tout ce qu'on nous montre dans les films Star Wars, pour moi, doit trouver son explication plus tard, voilà, dans les films. Oui. Et là, j'avoue que ça casse un peu ce que moi, je me faisais l'idée de... C'est-à-dire que là, ils nous poussent quelque part à aller chercher un peu plus loin, ouais, ce qui est pas plus mal, ce qui est pas plus mal. Mais pour un spectateur lambda, bah, c'est incompréhensible. Pour moi c'est simple, l'univers étendu ou canon machin, il doit servir les films principaux ainsi que les spin-offs, les films qu'on voit au cinéma, mais pas l'inverse. Là c'est bizarre, le spectateur, ouais, lambda qui est pas spécialement fan et qui aime bien Star Wars, qui regarde les films, la dernière fois qu'il a vu Dark Maul, il était coupé en deux, il tombait dans un tuyau et là il le voit là, il sait pas ce qu'il fait là, bah, il n'y a, ouais, aucune réponse au final à la fin et puis ça s'arrête là. D'ailleurs la fin est très décevante, enfin dans le sens on n'a pas de finale vraiment. Ouais, oui. On n'a pas vraiment de finale. Oh non, j'ai pas été. Non, la fin m'a pas choqué. Bah, moi je trouvais qu'en fait. Tu t'attendais à quoi? Bah, il manquait une scène finale en fait, juste. Ouais. Bah, par exemple, pour Rogue One, t'as la bataille de Scarif, tout ça. Oui. Enfin, après, ça change des films qui sont constitués de telle façon avec voilà, la fin, le gros truc, machin, la baston. Voilà. Mais ça se finissait un peu en mode ah. Mais la fin, pour moi, elle est à l'image de tout le film. C'est-à-dire que t'as vraiment l'impression, pendant le film, des fois, t'as des choses qui sont bâclées, enfin pas bâclées, mais qui sont passées rapidement. Ouais. Et le film est très cuté et en même temps, comme tu disais, brouillon. Il y a des fois où on ne comprend pas tout ce qui se passe. Et en fait, la fin, elle est, voilà, j'ai trouvé le mot, elle est expéditive. Ouais. Un peu comme beaucoup d'autres choses dans le film. Et c'est l'un des points voilà, qui est un peu noir pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu expéditives. Bah, tu vois, tu parles, tu dis que c'est expéditif. Ouais. Et un truc qui montre ça à la perfection pour moi, c'est que tu as l'impression que le film se passe en quoi, en une journée, même pas. Alors qu'en fait, tu apprends au bout d'un moment qu'il a servi 3 ans les impériaux, l'Empire. Mais tu oublies qu'à un moment dans le film, il y a 3 ans plus tard. Ah, il y a ça à un moment dans le film. Oui, ah, j'ai complètement oublié. Vers le début, il y a 3 ans plus tard. Ah, j'ai complètement oublié. En fait, ils s'engagent. Au moment où après, ils se retrouvent à faire la bataille, là. Où ouais. Il est au milieu de nulle part, il sait pas trop ce qui se passe. Ah, ok, d'accord. Et ben, ça, c'était 3 ans plus tard. Bah, comme quoi, c'est expéditif quand même. Genre, tu te rends pas compte du temps qui passe. Et... D'ailleurs, le groupe dont il parle à la fin sur Tatooine, je suppose que oui. C'est ce qui va les amener à aller dans la cantina, attendre là-bas, ils vont rencontrer au final Luke et... Oui, mais justement, c'est fait pour le lien, oui. Exactement. Un truc que je trouve terrible, c'est que ça donne l'impression que Chewbacca et Han, t'as l'impression que les films se connaissent depuis des années, ils se connaissent depuis en fait 2 jours. Ouais. C'est bizarre ça quand même. Ouais, mais en même temps, tu vois, ouais, je me disais ça aussi. Pas ça, parce que on voit aussi quand Lando et Han dans le 5 se retrouvent et ils s'appellent Vieux Frère. Ouais, Vieux Pirate, t'as l'impression qu'ils sont potes depuis. Ouais. Mais. Ouais. Après, ouais, il se passe quand même le bras autour du cou dans le film là. Ouais, mais c'était pas trop justifié. Hein. La dernière fois qu'ils se sont vus, ils avaient envie de se. Enfin, je sais pas, Lando l'a trahi d'ailleurs. Mais il y a justement un clin d'œil là-dessus. Tu sais, quand Han, tout à la fin de ce film, il revient voir Lando, il lui fait le même coup que Lando lui fait dans le 5. Il lui fait croire qu'il va. Ouais, et puis après, il le prend dans les bras. Ouais. Bon, il y a des choses comme ça sympas, mais. Non, mais c'est vrai que leur relation, c'est pas trop d'où elle sort finalement dans le 5. Alors après, c'est un univers qui vit, donc ils se sont revus sûrement, voilà. Ah, mais voilà, enfin, pourquoi ils sont pas en fait c'est pourquoi ils se sont fait du mal là. Ils ont quand même vécu une aventure ensemble. Après, c'est sûr que voilà, elle s'est pas étalée sur beaucoup de jours pour vraiment créer des énormes liens. Ils arrivent, ils font pas, ils s'en vont. Voilà, mais on en est là à la limite du film, tu vois. Alors après oui, ils auraient pu étaler ça sur plusieurs jours, mais je pense qu'il y avait aussi tellement de choses à mettre en place, c'était difficile d'aller piocher de partout et de... Je pense que c'était... Par contre, du coup, je serais très curieux de savoir qu'est-ce que Dark Maul fout là. Si on peut avoir des explications là-dessus. Il y a sûrement une raison dans Rebels, dans Bleu Noir ou autre, mais... Ah bah je sais qu'il y a des personnes là qui... Ouais, ils vont dire, bah si, c'est parce que voilà... Ouais, on aimerait bien savoir, ouais. Mais c'est vrai que, enfin, Dark Maul, parce que, attends, moi déjà les questions, alors déjà quand je l'ai vu, avec sa capuche, je me suis dit quoi, l'empereur? Oui. Première chose que je me suis dit. Avec la voix, je me suis dit non, c'est pas l'empereur. Ouais, la voix. Et j'ai tout de suite pensé à Dark Maul. Ah non, moi j'y avais pas pensé du tout. Ouais, moi j'avais senti. Et quand il a enlevé sa capuche, alors je me suis dit ok, Dark Maul. Alors déjà, je crois que la plupart connaissent mon avis sur Dark Maul. Je trouve qu'il est surexploité. Parce que bon, pour moi, il est mort dans le 1. Après, bon, on le revoit donc du coup dans Clone Wars. Je me dis avec ses jambes bioniques, je me dis bon. Après, j'ai pas vu la suite de Clone Wars. Je sais pas trop ce qu'il tient dans Clone Wars, donc je vais me la fermer. Mais qu'après, on le revoit dans Rebels, qu'on le revoit dans Han, enfin dans Solo. Sachant que là, ça se passe avant Rebels. Oui, ça se passe avant. Bon, alors après, oui, sachant que dans Rebels, il revient. Pour ceux qui connaissent bien Rebels, qui ont vu la dernière saison, parce que moi je l'ai pas vu, mais bon, même si ça sert à rien en fait, parce que dans la dernière saison il n'apparaît pas vu qu'il est mort dans la 3e saison, 3 ou 4e, avec Obi-Wan qui le tue. Donc en fait, son apparition c'est pour servir ou justifier sa nouvelle apparition dans Rebels. Et donc du coup, c'est un spin-off qui sert du spin-off, non film. Enfin, c'est. Non, mais ouais. Oui, là c'est abusé. Et après, il y a un petit côté fan service aussi. Oui, et après, il y a donc du coup cette Kira qui le rejoint. Mais tu sais pas non plus ce qu'elle devient, même quand tu connais en fait. Même si nous on connaît pas, donc on devrait peut-être se la fermer aussi. D'ailleurs, je me pose une question. Parce que toi, t'as pas vu Rebelle. Non. Et moi, je l'ai vu qu'une seule fois, et là, j'avoue, je m'en souviens plus. Donc, pour tous ceux qui connaissent, ben. Fait appel à votre. Mais je me demande vraiment si. Enfin, parce que moi ça me gêne hein, en fait. Si là où ils vont après avec Chewbacca, c'est vraiment sur Tatooine, à la cantina pour rencontrer Luke au final. Parce qu'ils attendent quelqu'un à la base. Parce que si c'est ça, vraiment, moi je trouve que ça pose vraiment un problème. D'autant plus que. À mon avis. Attends, t'es en train de dire que toi, ils vont sur Tatooine et c'est à ce moment-là où ils rencontrent Luke. Ah non, non, moi, à mon avis, il se passe des années entre ça. Ah oui, pour moi aussi, mais je sais pas, c'est bizarre quand même. Ils sont sur Tatooine, non, on a un gros coup, mais en fait, il est pendant exactement ce gros coup. Ah non, mais c'est. Enfin, non, mais à mon avis, ils y restent pour plusieurs coups là-bas. C'est c'est ce qu'on va dire. Ouais. Ah, moi, je l'ai pensé comme ça, c'est-à-dire que pour moi. Non, il allait se passer d'autres trucs avant qu'il rencontre Luke. Le Faucon, il est complètement pourri dans l'épisode 4. Bon, là, il est pourri à la fin à cause du raid de Kessel, mais l'intérieur aussi est pourri. Dans la trilogie originale. Mais après, c'est sûr qu'il y a des bons points. Moi, j'ai beaucoup aimé le début en fait. Quand on voit le parcours de Solo, même au début, la scène du train est vraiment pas mal foutue. La musique, il y a un thème qui est cool. C'est le thème d'Enfys Nest avec les voix là. Tu fais attention au thème, toi. Les premières fois, je fais pas attention, j'arrive pas. Bah, le thème d'Enfys Nest était pas mal, franchement. Après, tout le reste. Ouais. Les thèmes qui étaient cool, c'était les réutilisations de thèmes de la trilogie originale connue, notamment dans le raid de Kessel avec la musique un peu quand il est dans les astéroïdes, dans l'épisode 5. Ce genre de choses, c'était cool. Mais après, le reste, c'était totalement oubliable niveau bande-son. Je sais pas, moi, franchement, je suis pas du genre à parler des thèmes au début des. Oh, il y a une marche impériale lors de ma. Ouais. C'était pas mal. Mais lors de mes premiers visionnages, j'en parle jamais parce que pour moi, après c'est pour moi, c'est personnel. Ce sont des choses que je retiens pas. Non, mais... Et tu vois, en revoyant Rogue One 2 fois, 3 fois, c'est là où je les ai réentendus, ou même après en le revoyant chez moi, je me suis dit, eh ben mon cerveau il l'a capté ça, et maintenant qu'il le réentend, il est bien content. Enfin, il... Moi dès le début, j'ai dit que Rogue One, la musique était bien. Je sais pas si tu te rappelles. Si, peut-être, mais enfin voilà. Non, mais disons que les musiques, il y en a, ils bien... retiennent tout de suite, peut-être toi, moi je sais que c'est pas quelque chose que. J'arrive à retenir. Bah, les musiques servent bien à la mise en scène en fait. Ça marche bien sur le coup, mais c'est pas un truc que tu retiens forcément. Mais ouais, le thème d'Enfys Nest, tu sais, quand ils se rencontrent en mode cow-boy, et bah ça c'était cool ce thème là. Ah ouais, tu te rappelles pas un son. Ah non, non. Bon, je pourrais limiter, mais je vais pas le faire, ça serait un peu ridicule. Tu veux hein. Non, sans façon. Mais tu vois, par exemple, pour revenir à ce que je disais au tout début. Pour moi, le Han Solo tel qu'il nous l'est présenté dans la trilogie originale au début, il se serait barré avec les trucs, je sais plus comment on appelle ça, le coronium machin. Ouais. Il l'aurait pas donné pour faire plaisir. Enfin, tu vois. Oui, ça te dérange. Bah, c'est bizarre parce que ça voudrait dire que 2 fois il passe d'anti-héros à héros, tu sais, 2 fois. Oui. Parce qu'il aide déjà les rebelles en fait. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, Donc c'est ça qui m'a un peu dérangé. Mais après, le film en soi, c'est un très bon divertissement. Il crée pas vraiment d'incohérence dans la saga. Enfin voilà, il laisse les choses à leur place, voilà, il touche pas à grand chose en fait au final. Mais après, pour être cru, Han Solo, c'est un film que voilà, je peux voir une fois et ça me plaît, mais ce sera difficilement un film que je pourrais défendre à fond. Et aussi, c'est difficilement un film que je vais être content de montrer à quelqu'un. Ouais. Je sais que de tous les Star Wars, quand j'ai mon meilleur pote qui j'ai fait découvrir les Star Wars, et que depuis, du coup, à chaque fois qu'il y en a un nouveau, on va le voir au ciné, ou même mes parents aussi, je leur ai fait découvrir, et bien à chaque fois j'étais content de leur montrer, parce que dans ma tête je me disais, ah, il y a cette scène, il y a cette scène, il y a cette scène. Et là, avec Solo, une scène marquante, il n'y en a pas. Non, vraiment, il n'y a pas de scène marquante. Non, j'ai pas. C'est là où j'ai pas. Est-ce que t'as eu un moment un grand frisson, tu sais? Moi, il y a quelques fois, j'ai eu des frissons, mais c'était des frissons timides. Et moi aussi. C'était quand c'était des choses qui faisaient lien avec les anciens, avec ce qu'on connaissait. Mais ça, c'est normal. Mais ça, c'est normal, parce que moi, à chaque fois que j'ai des frissons, c'est souvent dans ces cas-là. À part, si, quelques exceptions, j'ai des frissons, je sais pas, je te ressens un truc comme ça dans Star Wars 8 quand quand le... Ah non, bah, ouais, non mais si, mais non, mais il y en a tellement, enfin pour moi il y en a tellement dans le 8, mais par exemple moi j'ai un frisson quand je vois Holdo foncer et que t'as plus aucun bruit et que t'as tous les des vaisseaux qui explosent, et là je cite un exemple, mais il y en a je sais pas combien d'autres quoi. Ouais, là il n'y a pas l'effet waouh, mais là il n'y a pas de scène waouh. Ouais, il n'y a pas de scène qu'après tu essaieras de revoir en streaming sur YouTube en qualité pourrie. C'est ça. Là, il n'y a pas la scène de Dark Vador dans le couloir. C'est pour ça que pour moi, c'est peut-être méchant, mais le film Solo pour moi est un film lambda, oubliable et qui est pas mauvais. En fait c'est un bon divertissement et même je dirais c'est une bonne manière de patienter avant le 9. Ouais. Enfin, c'est... Mais après voilà. Même si il est arrivé quand même assez tôt après le 8 quoi. Ouais, ouais c'est sûr. Mais voilà, Solo c'était vraiment pas une bonne idée au final de faire ça quoi. Voilà, je crois que mais c'est ça le départ. Ouais. Le départ il est là. Est-ce que c'était une bonne idée de faire un film sur Solo? Moi j'étais confiant parce que je me suis dit de toute façon ils vont nous faire un bon divertissement, ce qui a été fait au final. Ouais. Mais au fond, je me disais, je m'attendais pas à un truc de fou parce que je voyais mal comment ils allaient pouvoir faire un truc de malade. Rogue One, c'était quand même plus qu'un bon divertissement. Effectivement, pour moi, ils n'ont pas réussi à faire un truc de malade. Là où, justement, oui, tu rebondis bien, Rogue One, pour moi, là, il n'y a pas photo. Mais c'est un autre contexte. Il y avait d'autres choses à montrer. Et. Enfin, voilà. À mon avis, c'est une très mauvaise idée pour les spin-offs. C'est une mauvaise idée pour les spin-offs de se concentrer sur un personnage qu'on a déjà connu. Moi je pense qu'il faudrait plus qu'il, comme Rogue One d'ailleurs, il se concentre sur un événement de la saga dont on a déjà entendu parler, ou une période de la saga. Ça dépend parce que je suis quand même pas mal pour Obi-Wan, j'aimerais bien. Oui, moi aussi j'aimerais bien. Bah, l'avantage c'est que ce serait le même acteur. Il y a pas mal de liens avec des choses qu'on connaît et puis on sait qu'il y a des choses qui vont nous être montrées, tout comme pour Rogue One, parce que je sais pas, Rogue One t'as les débuts de la... Enfin, je sais pas, découverte de l'étoile, t'as des liens quand même avec l'empereur, avec Dark Vador, t'as Leia, tu vois, enfin c'est tout. T'as le début des rebelles, et puis. Et vraiment, moi, il y a quelque chose qui me manque dans ce film, dans Solo, mais que. En même temps, c'est dans. C'est dans le gène, les gènes du film, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas trop se permettre de faire ça, mais c'est vraiment des fois quand même s'arrêter un peu sur l'action, s'arrêter un peu sur peut-être des panoramas ou sur ce qui se passe. Je te prends un exemple qui me reste pas mal en tête, et pourtant c'est pas, c'est le moment, c'est plus vers le, bah c'est après la scène du train. Oh la montagne. Au moment où il laisse tomber justement le truc d'énergie, je sais pas trop comment ils appellent ça, et au moment où ça explose. Ouais. Eh ben, je trouve que ça a été coupé trop vite. Ouais. Que j'aurais bien aimé voir le truc exploser un peu plus longtemps, qu'on s'arrête dessus, qu'on voit la montagne bien s'effondrer, qu'il y ait une sorte de mouvement de recul avec la caméra et qu'on apprécie ce spectacle, l'ampleur des dégâts, cette explosion. Et je te prends cet exemple-là, mais il y a plusieurs reprises dans le film où j'aurais aimé que ça s'arrête un petit peu, qu'on limite qu'on perde un peu de secondes là-dessus, mais ça aurait été pour moi des secondes précieuses où on aurait eu le temps un peu de souffler parmi toutes ces scènes qui justement te coupent ce souffle et t'en mettent un peu trop plein les yeux et qui en même temps te brouillent les yeux tellement c'est sombre et tellement c'est cuté et c'est épileptique. Pour moi il y a un problème d'étalonnage. Pour moi il y a problème d'étalonnage, problème de... Et c'est ce que je me suis dit aussi. Dans les trailers déjà je trouvais ça sombre. Ah ouais? Ouais. Et pareil, moi je vais certainement le revoir ce week-end. Ouais, bah moi aussi. Avec pas trop de hype. Franchement, je l'avoue, j'ai vraiment pas très envie. Ah non. J'ai vraiment pas très envie. Mais on va voir. On va voir comme ça si ça venait de la salle ou pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, je rebondis. On disait que c'était très sombre, mais aussi des fois c'était juste brumeux. Par exemple, on a les scènes dans le vaisseau de comment il s'appelle, Drain Voss, je sais pas quoi. Alors là les noms. Le méchant quoi. J'ai rien compris au nom. Enfin le méchant, le vrai méchant. Tiens, mais je crois qu'on arrive chez toi. Ouais, on arrive là. Ouais, je dis. Le méchant, c'est trop brumeux, c'est trop lumineux, c'est un peu étrange. Voilà. Ouais. Mais bon, en conclusion, je dirais que c'est un bon divertissement, mais ça va pas au-delà quoi. Bah, c'est pas un bon Star Wars. Mais tu vois, c'est là où on se rejoint en fait, tu vois. Ouais. Bah ouais. Exactement. Alors par contre, moi j'ai jamais été fan sur la formulation, c'est pas un bon Star Wars. Ouais. Parce que pour moi, ça par contre, je vais le défendre. Je défendrai le fait que. Non, je dirais tout là. Justement, tout ce qui concerne Star Wars, la rencontre avec Chewie, le Faucon Millenium, tu vois, tout ce qui concerne ce qu'on connaît de Star Wars et qu'on voulait voir se mettre en place dans Solo, pour moi, ça a été bien fait. Donc pour moi, c'est un bon Star Wars. Ouais, d'accord. Bon, en ce sens-là. Ouais. Je dirais plus que c'est un bon Star Wars, mais un film moyen. Plutôt que le contraire. Ah ouais? Ouais, moi je le tournerais comme ça. Pour moi c'est un film moyen et un Star Wars moyen. Voilà. Mais ouais. Bon, au final, on se rejoint un peu quand même, finalement. Ah oui, bah je suis pas autant divisé avec toi que ce que je l'aurais pensé. Ouais, que Star Wars 8, par exemple. Mmh. Star Wars 8, c'est le seul, d'ailleurs, où on a été divisé, finalement. Ouais. Rogue One, Star Wars 7 aussi. Bon, mais voilà, bon, voilà ce qu'on peut dire. Ouais, j'ai rien à rajouter, personnellement. Mmh. Après, voilà, c'est avec le temps, voir comment les choses vieilliront, comment ça mûrira dans notre esprit. Là, c'était vraiment à chaud, en fait. Ouais, ah, mais tu vois, je pense que vous me connaissez. Dès que je sors d'un film, je sais tout de suite si j'ai vraiment surapprécié, si j'ai le coup de foudre ou pas. Et là, bah, c'est vraiment la première fois où j'ai pas d'étincelle, j'ai pas de coup de foudre. J'ai bien aimé, mais voilà, je peux pas le défendre aussi bien que j'aurais pu défendre. Ouais. Voilà. Mais au moins là c'est sincère et ça montre que bah ouais, il y a des films qui peuvent me laisser sur ma faim ou pas. Non, j'ai pas envie de dire ça parce que il était bien, mais qui m'ont pas complètement conquis quoi. Voilà, enfin c'est pour moi c'était bien, mais sans plus. C'était bien. Ouais. Bah ouais. Voilà. Bon. Ça résume bien notre pensée. Eh ben merci de ta présence et de ton débrief. Ouais, bah merci à toi d'être venu et de me ramener. Je remercie aussi le caméraman. Le caméraman. Voilà, qui a bien voulu nous capturer ce moment, sinon on n'aurait pas pu. Ouais. Voilà. On se débrouillé, mais ça a été bien. Donc merci à toi et puis bah voilà, un Kichnifou mitigé pour une fois. Ouais. Pour moi, c'est un bon Star Wars, c'est un film qui aurait eu le mérite, je pense, d'être monté peut-être un peu différemment. Je vais le revoir pour voir si ça venait pas de la salle, mais enfin, il y a beaucoup de choses, ça vient pas forcément de la salle. Ouais, le truc, c'était beaucoup sombre, il y avait pas mal trop de cuts, des choses où tu comprends pas trop ce qui se passe tout le temps. Et c'est là où c'était pas très agréable à regarder parfois, à suivre et à comprendre ce qui se passe. Et pour finir, voilà, je redis ce que j'ai déjà dit, j'aurais pas autant de plaisir à faire découvrir ce film à des proches que ce que je peux avoir avec d'autres films de la franchise Star Wars. Voilà. Voilà. Pour moi, je l'ai vu une fois et limite, ça me suffirait. J'aurais même pas besoin de le revoir. Ouais, c'est sûr. Là, je sais que je vais le revoir ce week-end, mais c'est pas avec une grande joie. Ouais, c'est ça. Autant Star Wars 8, j'avais été mitigé, mais je reconnais qu'il y avait de grands moments. Voilà, il y avait vraiment des scènes vraiment poignantes. Là, non. Non, il n'y a pas de... Voilà. Bon, voilà. Bon, sur ce, on vous laisse. Ouais. Et bah voilà, sur un avis réservé. Allez, et bah, retournez bien aux occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.